Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Eh ben moi je le sais et je pense que je suis pas le seul. L'ancien ministre de l'éducation ne donne ni nom ni preuve. L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. Alors que M. Ferry s'explique, et s'il lance une rumeur, il faudra qu'il l'assume. Sinon, c'est une non-dénonciation de crime. Hein. La non-dénonciation de crime, c'est un délit qui est punissable. Je ne lâcherai aucun nom, voilà. Et donc, je me tiens à cette ligne de conduite. Je vous dirai pourquoi dans Certains la journée. Certains disent qu'aujourd'hui, voilà. Vous êtes complice si vous ne donnez pas de... C'est absurde. Si vous n'en avez pas absurde. Parlé. C'est totalement absurde. Vous n'avez pas peur d'éventuelles poursuites? Vous rigolez? Luc Ferry va même plus loin. Je suis ravi d'avoir jeté ce pavé dans la mare. On a un problème. Oh, tiens, les pédophiles ! Pédocriminels ! Oh ! Pédocriminels ! Oh, tiens ! Vous fermez pas de la ville ! Vous fermez pas de la ville ! De Jackie ? Oui, c'est arrêté maintenant. Vous arrêtez de filmer. C'est qui? C'est qui? Vous arrêtez de faire des conneries, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, je suis... Vous êtes mariée avec le diable. Mais mademoiselle, laissez-moi descendre. Vous êtes folle. Bon courage, madame. Le réveil va être...